Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va continuer d'écouter, je vais pas le faire entièrement, mais on va écouter le projet de Kiko qui s'appelle Agama. On va partir sur le morceau pas désolé, justement, pas désolé, c'est le titre du nom du titre. Donc il n'y a pas écrit la prod, donc on va se laisser aller à ce son, c'est parti. Oh! Extrait de Agama, c'est sorti aujourd'hui. Il y a des nouvelles tracks de dispo. Tu sais qu'elle est l'animal, et laisser la carcasse. Tu veux que je t'aide, je méfierais si j'étais à ta place. C'est compliqué, une fois t'es tombé dans mes filets, t'as trop kiffé. Tu peux pas nier, t'es toujours abonné. Oh là là! C'est léger, c'est propre, c'est carré, c'est. Il y a un charisme dans sa voix. Sa voix, elle est tellement puissante. En fait, elle est efficace, sa voix, c'est propre. C'est ouf! Pas content de faire tes valises, une perdue, j'en recoupe dixième. Et puis ça recommence, je suis pas désolé, c'est pas ma faute en vrai. Tu connaissais déjà le scénario. La guitare, elle est tellement parfaite. Elle s'attendait à un bolide, mais j'emmène à l'arrière de la Twingo. Je suis pas désolé, c'est pas ma faute en vrai. Tu connaissais déjà le scénario. C'est grave un bolide, elle s'attendait à un bolide, mais j'emmène. Bah ouais, c'est toxique, ça pique, ça t'émoustille. Je suis l'as de cœur qui pique ton cœur. Oh joli la ref. Belle ref. Accroché sur le only one D-boy. Five star golden boy. John Acola si guagama. Voya au maté blamo. Mot d'emploi moulendigno. C'est léger, c'est pas agressif, c'est posé. C'est bien fait. Oh. Y'a dans le lit que c'est solide, elle supporte pas le vrai calibre, mais elle en redemande. Oh là là, ce qu'il dit, merde. Pas content de faire tes valises, une perdue, j'en recoupe 10. Et puis ça recommence, je suis pas désolé, c'est pas ma faute en vrai. Tu connaissais déjà le scénario. Ah, franchement lourd. C'est grave impoli, elle s'attendait à un bolide, mais j'emmène. Non, oh, elle en vient de la Twingo. Je suis pas désolé, c'est pas ma faute en vrai. Tu connaissais. Franchement, il passe super bien le son. La prod, elle est vraiment recherchée, tu vois. C'est vraiment subtil cette recherche de prod en fait. On est dans la pratique, on n'est pas dans la théorie. Ici, c'est la pratique, on n'est pas dans la théorie. Tout se fait sur le petit. Sur le morceau de guitare derrière là. C'est ça qui fait le truc, ouais. L'arrière de la Twingo, poteau. C'est pas ma faute en vrai, tu connaissais. Pas désolé, pas désolé, pas désolé. Oh là, il finit bien en plus. Pas désolé, pas désolé, pas désolé, pas désolé. Toujours. Toujours. Non, franchement, j'ai très bien apprécié. En fait, ce morceau, il est vraiment subtil. Tu vois, la prod, elle est pas. Ça te pique pas aux yeux, tu vois, tout de suite. Du genre, ah, il y a une grosse prod, des gros samples, une grosse mélo. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est léger, c'est posé, c'est subtil. T'entends des petites choses de l'instru derrière. T'entends surtout la guitare derrière qui fait mal. Les accords, la sonorité de la guitare, tout simplement, elle fait hyper mal. Et c'est ça qui va jouer sur tout le son. Et c'est ça que certains vont accrocher ou pas. Je sais pas, mais en tout cas, moi j'ai kiffé, j'ai surkiffé. C'est vraiment un pur plaisir, un pur délice en fait, le son. Et c'est vraiment travaillé minutieusement avec passion, tu vois. Il n'y a pas de recherche de tiens, j'ai envie de mettre ça, j'ai envie de mettre ça, j'ai envie de faire un gros gros son. Tu vois que sur le projet, il a l'air d'être plutôt ouvert et d'être. Après, il a déjà sorti pas mal de sons, donc on peut pas juger énormément le truc, mais faudrait se le remettre entièrement et faire une écoute entière, tout simplement. Mais c'est vrai que il est à l'aise sur pas mal de styles, pas mal de genres. Il se permet des choses, tout ça, qui fait super bien avec une qualité irréprochable. Et c'est ouf. Franchement, avec ce son aussi, il montre aussi que.
Tu vois, pas besoin de grandes prods, de grands sons. C'est léger, c'est doux, c'est posé. Il y a des trucs subtils comme la guitare qui est vraiment avec ses belles sonorités, qui prend bien le morceau, qui met une bonne couleur sur le morceau. Et c'est ouf, tu vois, il y a des morceaux de l'instru aussi qui passent super bien aussi. Et tu vois, tout en fait avec un flow Kiko, de Kiko adapté, et tout ça, et tout est... Non, c'est propre, tu vois, c'est vraiment... la marque de fabrique de Kiko, c'est vraiment avec rien faire des grandes musiques. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment mettre la musique à un niveau élevé avec simplicité, avec sa passion, il t'emmène le truc loin, tu vois. Alors que peut-être ce serait un autre artiste, ce serait pas pareil, tu vois ce que je veux dire? Et sans dénigrer n'importe qui non plus, tu vois, mais pour vraiment montrer que voilà, Kiko, vraiment, il arrive à mettre des sons, tu vois. C'est un son qui est simple, hein. Tu entends? C'est simple, hein. Tu vois? C'est léger. Il n'y a pas énormément de drums dessus. Ça part pas dans tous les sens. Sauf un peu le refrain. Mais au niveau du couplet, tu vois, c'est léger. Il y a des petites basses. Petite guitare derrière, tout ça, tout ça. Mais c'est bien structuré surtout. Et franchement, c'est fort. Donc franchement, force à lui, comme d'habitude. On donne la force. Et force à la prod aussi, qui est technique, subtile et juste ce qu'il faut, tu vois. Elle n'est pas faible, tu vois. Elle n'est pas trop légère ou trop simple. Elle est juste ce qu'il faut. Franchement, j'ai rien à dire. Parfait. Ça s'appelle pas Désolé. Ça vient du projet de Agama. Et c'est de chez Kiko, l'univers Togo, tout simplement. On se quitte dessus, je vous dis à la prochaine et ciao, ciao.